Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce petit lundi pour bien démarrer la semaine. Bienvenue dans votre routine de 8 heures. Alors aujourd'hui, je suis tout particulièrement content parce que pour deux raisons. Alors la première, tout d'abord, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. C'est la Sainte-Catherine. Et oui, donc je souhaite une bonne fête à toutes nos Catherinettes. Hein. Je vous embrasse. Et bien entendu, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre. Ça veut dire que nous sommes à un mois des fêtes de fin d'année. Donc, c'est le moment de mettre les bouchées doubles pour bien atteindre votre objectif avant les fêtes. Voilà. Alors, j'ai le plaisir ce matin de vous accueillir pour notre belle routine. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à saluer tous les nouveaux membres. Hein, vous êtes nombreux et nombreuses, mais on a par exemple Cani, Isa, Ororo, pardon, Salsom, Valérie, Orlane, Brigitte, Jean, voilà, je vous salue, je vous embrasse. Et on a également les membres Gold VIP, c'est-à-dire les personnes qui ont choisi un accompagnement supplémentaire pour atteindre leur objectif. Donc on a Dorothée, Laurence, Ninoud, Staff. Elsa qui est avec nous, Estelle, Mick, Tamounette, Daniel, Maman, alors pas ma maman, hein, mais Maman 36260, Valou, voilà, vous êtes nombreux, nombreuses. On a également des membres de l'équipe, hein, on a Christian qui est avec nous, qui va répondre à vos petites questions si jamais il y a besoin. Et on a également Lydie, Bouboule, Mana des Bois, pardon, Coquelicot, Catichou, Claudine, voilà, vous êtes très très nombreux et ça me fait vraiment très plaisir de vous avoir ce matin pour cette routine de 8 heures. Et bien entendu, je n'oublie pas, et oui, parce qu'il ne faut surtout pas oublier nos amis qui sont sur Facebook, YouTube, Instagram. Voilà, on a par exemple Marelle qui nous suit, Mireille, pardon, qui nous suit sur Facebook. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite à toutes et à tous un formidable début de semaine, pardon. Et je vous félicite pour votre présence à cette routine de 8 heures. Parce que je sais que 8 heures, des fois, ça pique un petit peu, mais vous êtes toujours là, vous avez toujours la pêche et ça me fait plaisir. Alors, ben justement, on parle de se présenter, je vous ai présenté, mais dites-moi un petit peu plus de choses sur vous, d'où vous venez, votre région, votre âge, votre poids de départ, combien de kilos vous avez déjà perdu. Voilà, dites-moi un petit peu tout ça. En attendant, moi, je vais me présenter également pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Adrien, j'ai 39 ans, je suis originaire de tout là-haut, 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 du nord de la France, des Hauts-de-France, à côté de Lille. Et donc, bah, oui, j'aime ma région. Hein, qui n'aime pas sa région? Et donc, bah, voilà, j'aime beaucoup la région, en tout cas le nord, pour ses superbes plages et oui, ses superbes paysages. On connaît très peu. D'ailleurs, c'est mieux comme ça. Au moins, on se préserve et on garde ça pour nous. Et bien entendu, la gastronomie, les moules frites. Et oui, avec une petite bière. Mais bon, ça, faut faire attention. Et je n'ai pas parlé trop fort à ce sujet-là. Et bien entendu, j'aime beaucoup le nord pour les gens du nord. Et oui, parce que vous le savez, hein, on n'a peut-être pas le soleil à l'extérieur, mais on l'a au niveau du cœur. Voilà. Et sinon, bah, que dire de plus si ce n'est que pendant mon temps libre, bah, j'aime cuisiner le fameux gâteau au chocolat à la courgette. J'aime faire du sport, du squash, du foot, de la course. Et j'aime voyager, notamment en Asie. Donc voilà. Et je travaille, oui, aux côtés du docteur Jean-Michel Cohen depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'avoir un rôle qui est essentiel pour votre programme, c'est-à-dire que je suis là pour vous aider à atteindre votre objectif, à bien démarrer. Voilà, mettre toutes les chances, en tout cas de votre côté, pour bien démarrer le programme. Donc, ne soyez pas étonnés si vous avez un appel de ma part, si vous recevez un email, si vous recevez un petit message privé ou autre de ma part, c'est normal, je tiens juste à me rassurer et à faire en sorte que tout se passe bien. Et bien entendu, vous le savez aussi, mais j'aime le répéter, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec notamment
mon petit prénom sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, Adrien Timoaou, je vous mets le lien dans notre chat. Et bien entendu, je vous invite à me contacter si vous avez la moindre question. Et que dire de plus si ce n'est que bah, avec toute la team Waouh dont je fais partie, on est là ensemble avec vous pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc tous ensemble, on va y arriver. C'est pour ça qu'on a créé le hashtag Stop Obésité pour justement faire baisser la courbe de l'obésité. Et c'est également pour la raison pour laquelle nous avons mis en place une animation que vous connaissez maintenant, mais que j'aime partager, c'est l'animation du Pink Friday. Voilà, l'animation que vous pouvez retrouver sur le groupe officiel Savoir Maigrir avec le docteur Jean-Michel Cohen. Et cette semaine encore, on a eu de très très belles photos. Donc voilà les photos de l'équipe pour celles qui nous voient en tout cas sur le programme. Et on a de très très belles photos. Et la personne qui va remporter cette semaine le Pink Friday se verra offrir une consultation par téléphone avec une diététicienne Savoir Maigrir. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de vous faire des petits cadeaux. Et oui, vous le savez, on est comme ça, on est généreux avec la team Waouh. Donc, ben, je vais venir vous lire un petit peu, voir un petit peu qui est là. Alors, je vois qu'on a Cathy Chou qui est sur Instagram, Sauf Victoire qui est avec nous sur Instagram. On a Manu qui est avec nous sur Facebook. Donc, je te salue. Et donc, nos amis, les membres du programme. Donc, on a Cathy Chou qui rappelle donc, la Sainte Catherine. Hein, ça, c'est. Oui, c'est important d'avoir des petits moments de bonheur comme ça. Alors, qui nous dit également, ma routine est image du jour sur Facebook et surtout ma fierté d'avoir perdu, grâce à Savoir Maigrir, mon deuxième palier, les 20 kilos. Et oui, Cathy Chou, qui est avec nous depuis un petit moment, qui a participé à l'une de nos rencontres, vous allez pouvoir découvrir bientôt son témoignage en vidéo. Voilà, elle est avec nous et justement, elle vient de perdre ses 20 kilos. Bravo! Ouh! Voilà, ça c'est cool, ça fait plaisir. Alors, Salsam, qui est avec nous, qui nous passe le bonjour. Mara des Bois, qui nous passe le bonjour. Bravo à toi et à ce que tu dégages. Restons positifs et unis. Oui. Dorothée qui nous passe le bonjour. Mick qui nous passe le bonjour. Coucou Adrien. Coucou tout le monde et bonne fête aux Catherine, Elsa. Oui. Je démarre aujourd'hui et je souhaite de tout cœur y arriver. Salsam. Alors, Salsam. Avec un G. Bon. Je ne sais pas bien le prononcer, mais en tout cas, bienvenue à toi. Noun qui est avec nous. Qui nous passe le bonjour. Mara Desbois également. Alors, bonjour Brigitte qui est avec nous. Coucou Mara Desbois, moi aussi, je suis en semaine 7. Dorothée, très bien. Ça va, Makichu? Oui, mais oui, ça va. Enfin, voyons, hein, les deux copines, ça va, hein? Bon, alors, je vois que tout le monde est là. Je perds doucement, mais je suis battante. Mara Desbois, oui, mais il n'y a pas de course, hein, c'est pas une course. On prend notre temps. Bonjour à toi, Estelle Lou. Ok, alors on a qui est-ce qui est au lit? Alors. Ah, Cathy Chou qui est au lit. Bah, écoute, j'espère que ça va se régler. Bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous. Bon lundi, Nikou ni tête, pardon. Coquelicot qui est avec nous, qui nous passe le bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on a du monde, hein, ce que je vois. Donc je passe un petit peu, je voudrais pop 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 Cathy qui me passe qui dit merci. Jean-Pierre qui est avec nous avec bientôt une rencontre hein, le 3 décembre, je tiens à vous rappeler, si vous voulez en savoir plus, posez vos questions, Jean-Pierre vous répondra. Bonjour Adrien. Bonjour, 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 bonjour. Ah, Dorothée qui nous parle que vendredi, JMB a parlé de la bouteille élimination de Active Nutrition, mais je ne la trouve pas sur la boutique. Comment faire? Alors, on va t'expliquer comment faire. Simplement, tu peux nous appeler au 04 81 09 04 06. Le numéro s'affiche en haut. Et bien entendu, on sera un plaisir de te répondre, de t'aider, en tout cas, à choisir ce complément alimentaire qui est très efficace. Bonjour Odeline qui est avec nous.
Bonjour tout le monde et bonne fête. Je suis à ma 7e semaine et moins 7 kilos samedi pour Mumu. Eh bien, elle est ravie, ben, ça nous fait plaisir. Quels sont les 15 décembre de Facebook, les 15 challenges de Facebook? Pouvez-vous me les rappeler, s'il vous plaît? Merci, Adrien. Dorothée, les 15 challenges de Facebook, je ne sais pas de quoi vous parlez. Envoyez-moi un petit message sur Facebook, on regardera ensemble. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Bonjour à toutes et à tous pour Astranea. Oui. Objectif atteint, 15 kilos en moins pour Tamounette. Eh bien, coucou tout le monde. Bravo à Tamounette. Coucou tout le monde. Comme vous le savez, je suis en stabilisation. J'ai fait un week-end avec les copines de 10 ans. Ouh là là. Et alors, oh, qui m'a retrouvé sur le programme. Donc, 1 kilo de plus, c'est pas grave. Et on se le dégomme avant samedi. Très bien. Ben voilà, très bon réflexe. Bon, en tout cas, de manière générale, je vois que vous êtes au top. Chaniline qui est avec nous, bonjour. Nous sommes voisins, je commence aujourd'hui. La motivation m'a fait perdre 2 kilos déjà. Eh bien, ça, c'est super. Ça me fait très plaisir. Et bonjour à ma voisine. Bon, ben, on a Igloo qui nous fait un petit coucou depuis sa petite promenade. Ça fait voilà. Et voilà, ça parle de bière dès le lundi matin. Non, non, Elsa, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est. Je sais pas. Alors, bonjour Adrien, tout le monde. J'ai un souci à la banque, changement de numéro de compte, le paiement n'est pas effectué, le programme n'est pas à jour. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Alors, oui, je ne sais pas si on peut t'aider. Oui, si, on doit pouvoir t'aider, Gulnur. Oui, alors, ben, sinon, appelle-nous, on fait ça parce que de toute façon, il faudra nous donner les nouveaux numéros. Hein, donc, bien entendu, il faut nous appeler et on fera le nécessaire. Je commence aujourd'hui pour Oro. Ben, très bien. J'aimerais quelques conseils de personnes qui sont déjà plusieurs semaines de régime, s'il vous plaît. Ben, moi, je vais te les donner, Oro. Les conseils, c'est là, c'est maintenant. Alors, justement, en parlant de conseils, je vais vous demander sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que vous vous sentez? Après, je vous donne tous mes conseils pour bien commencer votre semaine et surtout bien la continuer. Vous le savez, la routine et les objectifs SMART. Alors, en attendant, sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que vous vous sentez? 10 étant le plus fort. J'attends vos numéros. Alors, moi, vous le savez, hein, forcément, je pense que je suis au-dessus des 10, mais bon. Allez, sinon, pour la. Oui, en attendant, je vais quand même vous partager quelques petites informations, parce que vous le savez, j'aime partager les informations. Le docteur Jean-Michel Cohen, et oui, parce qu'on est là pour ça, on est là pour lui, on est là pour perdre du poids avec le docteur Jean-Michel Cohen. Donc, toutes les semaines, il vous partage une nouvelle vidéo, bien entendu. Et cette semaine, la vidéo de la semaine, c'est refaire un régime. Commencez par ces trois choses simples. Trois choses simples, voilà. Et trois choses simples, donc, pour bien reprendre le régime. Et ce qui est important, justement, avant les fêtes, hein, on vient d'en parler, on est à un mois des fêtes. Alors, je vous mets le lien, vous pouvez le retrouver soit sur YouTube, soit sur le compte Savoir Maigrir également dans la partie vidéo, hein, les nouvelles vidéos. Et bien entendu, le docteur Jean-Michel Cohen se fera un plaisir, comme toutes les semaines, de répondre à toutes vos questions sur le sujet. À partir de 13h pour les membres du programme Savoir Maigrir, parce que vous avez la consultation de 13h avec le docteur Jean-Michel Cohen ce lundi. Voilà, ça c'est aujourd'hui. Et également, vous avez rendez-vous deux fois cette semaine sur Facebook avec le docteur Jean-Michel Cohen, avec mercredi, pardon, à 20h et dimanche à 19h. Voilà, ça ce sont pour vos rendez-vous de la semaine. Alors, je viens vous lire pour savoir un petit peu. Comment est-ce que vous allez? Coucou du Portugal, Claire sur YouTube, eh ben, qui nous passe le bonjour. Encore 6 kilos à perdre, je me pêche chaque jour et je suis très contente. Ben, ça nous fait plaisir. Mes enfants, ma vie, qui nous passe un coucou d'Algérie. Ben voilà. Et alors là, ce matin, si on n'est pas international, les amis, Portugal, Algérie, wouh, ça c'est la fête. Alors, donc, je viens vous lire, pardon, excusez-moi, je m'enflamme un peu ce matin, c'est peut-être parce que j'ai parlé de Noël, ça m'a un petit peu surexcité, je suis comme un gamin. Alors, je viens vous lire pour savoir comment vous vous sentez ce matin. Je suis désolé, je dois passer quelques petits messages, vous m'excuserez. Alors, sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que vous vous sentez ce matin? Est-ce que vous êtes comme moi au top du top? Ou est-ce que vous avez besoin d'un petit coup de main ou un petit coup de pied aux fesses, hein, parfois? Mick, qui est à 10, Dorothée, qui est à 10, coucou de Lagos, voilà. Mais alors là, les filles, Claire Zoé, super.
Marie-Claire qui est à 10, Chaniline qui est à 10, Valérie qui est à 10, Agape qui est à 10, ah, Cathy qui est à 5 sur 10, que se passe-t-il? Valou 10, Noun 10, Maman 7, Astranea 10, ah, Laure 1 sur 10, que se passe-t-il? 1 pour moi au top de chez top avec Super Mams. 1 sur 10 au top de chez toi, tu as dû oublier le 0 à mon avis. Sherazade qui est à 8. Nikunitet qui est à 10. Iris qui est à 10 très certainement. Parce que tu as dû mettre un P sur 10. Ça doit être un 10, non un P sur 10. Alors merci. Oui, 10 Amandine, 10 sur 10. 10 sur 10 pour Elsa. Même si depuis mon anniversaire, ça ne descend presque plus. Mais je vais me mettre un bon coup de pied au derrière, ça va le faire. Si tu as besoin d'aide, je suis là, je donne des bons coups de pied. Coquelicot qui est à 100, voilà, c'est ça qu'on attendait. Orlan qui est à 7, Clo-Clo-Mimi qui est à 7, 8 pour Aurore, Mara des Bois qui est à 10, 9 sur 10 pour Steph. Bon, je vois que moi, je me sors à 4 car malade, 10 sur 10 pour le moral. Bon, très bien, Cathy. Bon, 10 pour Odeline. 2 sur 10, à peine 2 kilos perdus en 11 semaines, Cathy. Bon, il faudra que tu contactes la diététicienne. Justement, pour vous aider à bien vous aider, je voulais vous aider. Ah, d'abord, oui, je voulais lire un petit message de Tite Cathy qui dit mon conseil, parce qu'on a demandé le conseil à un des anciens. Ayez confiance, j'ai perdu 50 kilos et j'ai atteint mon objectif il y a 18 mois. Et je stabilise depuis. Alors, non seulement on maigrit, mais on apprend à manger pour stabiliser à vie. Jean-Pierre Lameur est le modèle ici, il le sait, il sait de quoi il part, car c'est le seul qui a stabilisé aussi longtemps. Perdre, c'est facile avec d'autres régimes, mais il faut stabiliser et savoir maigrir. Vous êtes au bon endroit. D'accord, Cathy Chou. Et d'ailleurs, Cathy Chou, petite Cathy. Eh oui, mais vous choisissez les mêmes pseudos, les filles, là, et quasiment. Alors, d'ailleurs, petite Cathy, on a une petite surprise pour vous la semaine prochaine. Normalement, si tout se passe bien, normalement, il n'y a aucun problème. Mais on vous attend la semaine prochaine. Oh, pardon, j'en dis pas plus. Et voilà. Allez, donc, je reviens à mes moutons. Hein, ce n'est pas tout ça. Parce qu'on est là aussi quand même pour se botter un petit peu les fesses et atteindre l'objectif. Donc, je vais vous parler d'une méthode pour justement mettre toutes les chances de votre côté. Et cette méthode, nous l'avons nommée la routine masseur, waouh! Eh oui, parce que c'est la team waouh qui vous présente sa routine masseur, waouh! Et donc, si vous savez déjà ce que c'est, dites-moi à quelle heure est-ce que vous prenez votre routine masseur et éventuellement, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Pourquoi est-ce que cette routine masseur est importante? Je vous remercie par avance de votre réponse parce que c'est vrai que c'est important pour aider les nouveaux, pour qu'ils comprennent pourquoi c'est si important que ça. La routine masseur, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est le fait de prendre au minimum 5 minutes dans votre journée pour faire trois actions. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand, quoi? Eh bien, tous les jours, on va prendre 5 minutes à heure fixe pour faire les trois actions suivantes. La première, simplement, de consulter vos emails. Et oui, parce que tous les jours, on vous envoie un email de coaching. Et cet email vous permet justement d'en apprendre un petit peu plus tous les jours sur la nutrition. Et en plus, il est personnalisé. Et si vous cliquez sur l'email, vous allez atterrir sur votre espace masseur dans la partie session du jour et vous allez avoir la vidéo du docteur Jean-Michel Cohen qui est également personnalisée. Donc, prenez le temps de lire cette session du jour qui vous est envoyée par email. Si jamais, ça peut arriver, vous ne recevez pas l'email, d'abord regardez dans vos courriers indésirables, appelez également spam. Et si vraiment vous ne les recevez pas, appelez-nous, on fera un plaisir de vous débloquer la situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous allez faire pendant vos 5 minutes, pendant votre routine masseur, waouh, c'est simplement le fait de consulter vos plans de repas. Et là, les plans de repas, vous pouvez les consulter soit directement sur le site, soit via l'application Savoir Maigrir. Et oui, vous pouvez faire cela. Et bien entendu, si vous n'aimez pas un aliment, si vous n'aimez pas une recette, sachez que vous pouvez modifier soit directement sur le plan de repas, soit via les fiches pratiques, via la fiche pratique, pardon, équivalence entre aliments. Donc, vous voyez, on a vraiment pensé à tout, tout est personnalisé, hein. Donc, c'est votre diététicienne qui a fait vos plans de repas, donc c'est important de bien les suivre. Et enfin, troisième chose, vous allez me dire, mais qu'est-ce? Alors, mais la troisième chose, c'est simplement le fait de
contactez votre diététicienne le plus souvent possible et au minimum une fois dans la semaine. Et oui. Pour ce faire, comment peut-on contacter sa diététicienne? Tout simplement via les consultations de 13h tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 13h, le lundi avec le docteur Jean-Michel Cohen, le mardi avec Delphine pour parler des kilos émotionnels, le mercredi, le jeudi, le vendredi avec vos diététiciennes Claire, Isabelle, Lucie, Delphine pour justement poser toutes vos questions en direct. Et si jamais vous n'avez pas l'occasion de participer à ces consultations de 13h, vous avez la possibilité de, dans la voiture, dans les transports en commun ou autre, d'écouter simplement les replays. Et oui, parce qu'il y a de nombreuses questions qui sont posées et bien souvent, des questions que vous ne pensez peut-être pas ou que vous n'osez pas poser sont posées et vous avez la réponse. Donc, allez-y, profitez-en. Et si vraiment vous avez une question personnelle, sachez que vous avez le lien messagerie diététique et là, vous pouvez poser directement votre question à votre diététicien. D'accord? Et si jamais le fait de poser une question via la messagerie diététique une fois par semaine n'est pas suffisant pour vous, ou si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, sachez que vous avez les offres Gold, voilà, pour pouvoir avoir des appels de votre diététicienne, des commentaires plus souvent de votre diététicienne sur votre carnet minceur ou autre. Donc voilà, profitez-en. Alors, j'en perds, pas mon latin, mais ma salive. Et oui, parce que là, je parle beaucoup et je n'ai pas vraiment le temps de vous lire. Alors, je viens vous lire. Après mon petit thé, donc, je viens vous relire. Et donc, la routine, c'est à quelle heure pour vous? Alors, motivation 8 sur 10, très bien. Alors, mon moral est à 1 million sur 10 pour Coco. Allez, bim, ça s'est passé. Ah ouais, une surprise, petite Cathy. Oh. Jean-Pierre, nous sommes ouais. Super Mams, routine dès que je peux dans la journée. Très bien. Chris qui dit j'ai perdu 13,5 kilos en 34 semaines. Doucement, mais sûrement, il y a à cette motivation journalière avec vous qui aide beaucoup. Bah, merci, ça fait très plaisir. C'est important pour garder le lien et de suivre notre programme. Émilie, oui, c'est vrai. La routine le matin au réveil pour bien se motiver et garder les bonnes habitudes d'Oliviane. Très bien. Ça, c'est bien. Quand je me réveille, quand je me lève, je fais ma routine, je lis mon mail, il est marqué lui, je lis mon mail et je déjeune ensuite, puis je regarde le live de 8 heures, Dorothée. Très bien. Routine au réveil, variable pour Claire Zoré. Contente car j'ai perdu 18,4 kilos, Mamie Corsica. Oui, Mamie Corsica, je t'embrasse, ça me fait plaisir de te lire. En plus, on communique un petit peu sur Facebook, ça me fait très, très plaisir. Je te félicite. Bravo en ce jour de Sainte-Catherine. Moi, je maigris mieux quand je fais un emploi du temps et tout est marqué. Très bien. Je suis à 15 kilos de perdu pour Émilie. Très bien. Oui, c'est bien de perdre beaucoup de poids, mais il y a des jours où on craque à cause de l'ennui. On se sent un peu puni. Non, il faut... Oui, ça arrive, mais quand tu craques, il faut simplement être en pleine conscience et craquer un tout petit peu et se faire plaisir et rattraper sur le prochain repas. Voilà. Ma routine, ma sœur, c'est le matin avant le petit déjeuner, je lis mon mail, je consulte mes repas imprimés et je note tout sur mon carnet, ma sœur, après chaque repas. Amandine, tu es la bonne élève du jour. Bravo. Ouais, c'est très bien. C'est très, très bien. Moins 5 kilos, je commence la troisième semaine, encore une vingtaine, mais motivation au top. Colibri, bravo à toi, c'est super. Au réveil pour maman, la routine 7h. La première chose que au lever du lit et j'en suis accro. Noon, très bien, ça c'est très bien. Alors, en tout cas, je vois que vous êtes au top et ça me fait plaisir. Je vois que vous êtes au top avec votre routine. Bonjour Émilie Cook sur Instagram. On a ici GLCM58 qui est avec nous sur Instagram, pardon, Émilie qui était sur Facebook. Bon, en tout cas, j'ai le plaisir de vous lire, ça me fait très, très plaisir. Et donc, pour continuer justement à vous aider, vous savez que j'aime bien vous partager des petits objectifs. Alors, bon, on a vu déjà que la routine était importante, mais j'aimerais bien que vous fixiez d'autres objectifs. Et justement, pour se fixer d'autres objectifs, je vais vous parler
de la méthode SMART. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode SMART? Eh bien, je vais tout vous dire, mais si vous savez déjà ce que c'est, dites-moi quels sont vos objectifs de la semaine, vos trois objectifs SMART de la semaine. Alors, en attendant, pour les petits nouveaux, je vous présente ce que c'est que la méthode SMART. La méthode SMART, en fait, c'est une méthode pour se fixer des objectifs qui soient le plus simple possible. Et pour ça, on a cet acronyme qui est SMART, qui veut dire intelligent. Et oui, se fixer des objectifs, il faut que les objectifs soient intelligents. Et donc, pour qu'ils soient SMART, il faut qu'ils réunissent ces cinq qualités. C'est-à-dire que votre objectif doit être spécifique. Il doit être mesurable, il doit être atteignable, il doit être réaliste et il doit être temporel. Alors, quels sont vos trois objectifs SMART de la semaine? Sachant que je peux vous donner des petits exemples. Les objectifs SMART de la semaine, ça peut être cette semaine, je ne mange pas de chocolat. Cette semaine, je me fais plaisir sans craquer. Cette semaine, je bois 1,5 litre d'eau par jour. Cette semaine, je respecte mes plans de repas. Cette semaine, je participe au moins à trois routines. Cette semaine, je note tous les jours dans mon carnet minceur mes repas. Voilà. Donc, cette semaine, quels sont vos trois objectifs, d'accord, de la semaine? Alors, je vous donne un autre petit conseil. Donc, vous avez votre routine de 8 heures. N'hésitez pas à noter vos objectifs SMART sur un petit bout de papier. Comme ça, quand vous faites vos, quand vous réalisez votre routine de 8 heures, relisez également vos objectifs SMART. Comme ça, ça va vous aider, ça va vous permettre de les atteindre. Voili, voilou. Alors, quels sont vos objectifs SMART de la semaine? Je viens vous lire, mes amis. Alors, les objectifs SMART de la semaine. On a retrouvé notre vrai Adrien. Le bébé a dû être sage, il doit être. Eh bien alors, Coquelicot, sache que tu as raison. Oui, le petit Théo dort comme un bébé. Et même, il se réveille après nous maintenant. Donc, alors, bravo à ce papa. Alors, bravo surtout à la maman qui fait un travail énorme, vraiment très, 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 très bien. Et non, ça se passe très bien. Donc, je te remercie, Coquelicot, en tout cas. Ta pêche fait du bien, Adrien. Tu es notre rayon de soleil, Amandine. Merci, ça me fait plaisir. Ma routine tous les matins à côté. Oui, très bien. Alors, la routine, d'accord, non. Alors, les objectifs SMART. Je suis désolé, je vais passer aux objectifs SMART. Merci Adrien pour ton soutien. Ben, Odeline, ça me fait plaisir. En plus, tu es là tout le temps. Donc, vraiment, tu le mérites. Bravo à toi. J'ai hâte de vous rencontrer aussi, Mara Desbois. Ben ouais, ça va être sympa. Bonjour Adrien, je n'aime pas trop le lait. Je peux le remplacer par un laitage. Et oui, mais tu peux, Françoise Lepère, tu peux simplement aller sur les équivalences. Donc, tu peux aller dans les équivalences entre aliments. Dans les fiches pratiques, tout simplement. Très bien. Pour moi, à plusieurs moments de la journée, très bien. Je ne suis pas sérieuse en ce moment. Je lis juste mon mail il y a 2 semaines. OK. Bon, Clo-Clo, Mimi, il faut reprendre ça, c'est tout. Il faut se remettre des... tu as raison, un craquage assumé en essayant de ne pas culpabiliser passe beaucoup mieux sur la balance qu'un craquage avec culpabilité. Elsa, merci pour ce témoignage. Bravo, 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 la reprise. Alors, bon, je ne vous vois pas, mes amis. Alors, je vais continuer à boire mes 1,5 litre d'eau, aller marcher malgré la pluie, continuer la gym pour Amandine. Très bien. SMART, aller au cinéma, faire... Voilà, voilà, Lorenzo. Aller au cinéma, c'est se faire plaisir. Faire 16 minutes plus 10 000 pas pour ne pas grignoter de fromage et bien écrire son carnet, dans son carnet marseillais. Très bien. Marcher plus pour Noon. Cette semaine, boire 1,5 litre d'eau par jour pour Hirondelle. Très bien. Cette semaine, je vais boire 1 litre d'eau. Essayer de ne pas craquer. Très bien, Juliette. Marie-Claire, plus de marche. Supermarché. Okay. Hop, hop, hop. Oh mince, que se passe-t-il? Je vous ai perdu. Désolé. Ta mounette, Adrien. Oui, super en forme. Tu es contagieux. C'est contagieux. Merci à toi. Eh ben, ça me fait plaisir, ta mounette. C'est vrai que j'ai la pêche hein, ce matin. Objectif SMART, je vais reprendre la marche, car un peu moins avec la pluie de ces derniers jours. Oui, Cathy, ça, la pluie, la chaleur. Faire plus d'exercices pour moi, suivre la structure des repas. Alors, perdre 25, ni cou ni tête. Bon, ben, je vois que dans l'ensemble, vous êtes gardé la motivation, faire une séance de marche
Nordique. Bon, c'est très bien. Je vois que vous êtes fixé des beaux objectifs. Merci, mes winners, Mamie Corsica. Ouais, c'est vrai, vous avez un beau groupe. Je vous félicite, les filles. Vraiment très, très beau groupe, les winners. Alors, en tout cas, bon, je vois que vous avez des beaux objectifs smart. Vous avez, donc, ça, c'est très bien. Donc, aujourd'hui, on a vu ça, justement. On a vu comment mettre en place une routine. Minceur, donc hein, essayez de bien vous fixer cette routine, essayez de bien la suivre tous les jours à la même heure, au minimum une fois dans la journée. Faites votre routine minceur et n'oubliez pas de bien relire vos objectifs SMART et de les atteindre en fin de semaine. Voilà, ça c'est ce que l'on a vu aujourd'hui ensemble. Et vous, de votre côté, vous avez fait l'objectif, vous avez pris le choix, vous avez fait le choix de perdre du poids, ça c'est votre objectif. Et nous, de notre côté, avec la team Wahoo, on a fait le choix de vous accompagner. Donc, n'oubliez pas de venir nous faire un petit coucou, soit pendant les routines de 8 heures, c'est tous les jours, le matin à 8 heures. Donc le lundi, c'est avec moi, le mardi, c'est avec Guillaume, le mercredi, c'est avec... oui, c'est quoi? Oui, mais si, c'est notre gym matin. Voilà. Ensuite, jeudi, pardon, nous avons Christian pour parler. Tout simplement les nouvelles technologies que l'on a sur le programme, enfin tous les problèmes techniques et autres, et les améliorations surtout. Et on a bien entendu le vendredi, le Pink Friday avec notre ami Jean-Michel et sa belle perruque rose. Et les consultations de 13h aussi, vous avez rendez-vous tous les jours de la semaine. Donc je rappelle les horaires, le lundi avec le docteur Jean-Michel Cohen à 13h, le mardi avec Delphine pour parler des kilos émotionnels, le mercredi, le jeudi, le vendredi avec l'équipe diététique pour simplement poser vos questions directes. Et bien entendu, les routines et les consultations sont en replay sur le site, donc n'hésitez pas à venir nous visionner si vous n'avez pas eu l'occasion soit de participer, soit si vous avez des informations qui vous ont échappé, vous pouvez les réécouter. Voilà. Et en attendant, bah, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez continuer à discuter, ça se passe sur Savoir Maigrir, sur la partie communauté, sur le chat du jour. Voilà. Je vous embrasse, les amis, et je vous souhaite une formidable, formidable semaine. Voilà. Ciao, ciao, les amis.